Sur le doux chemin des vacances, ces wagons emmènent les estivants à destination pour le dernier kilomètre avant la plage. Et une bonne journée à tout le monde et tout va bien se passer. À Argelès, une vingtaine de petits trains sillonnent la capitale européenne du camping et desservent plages, commerces et attractions. De quoi se laisser transporter et éviter à 4000 voitures par jour de circuler. La voiture, c'est toujours tout droit. On n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche. Et le petit train, il fait des arrêts et on peut voir le paysage. Je suis conducteur toute l'année. Et là, franchement, 15 jours sans voiture, c'est vraiment des vacances. C'est vrai que c'est agréable de pas tourner pour trouver une place. Un transport gratuit ou presque, dont le prix est inclus dans l'emplacement de camping. Un service supplémentaire qui fait la différence pour cet établissement situé à plusieurs kilomètres du front de mer. Évidemment, nous n'avons pas la proximité des autres campings qui pourraient être plus près de la plage. Donc grâce à ce service, les gens peuvent aussi choisir notre établissement. Près de 90% des campings ont adopté le service et participent à son financement. Tout comme la publicité. À chaque saison, 1 700 000 touristes utilisent l'un de ces trains. De quoi faire saliver les marques. On vend des supports publicitaires sur toute la commune, sur tous nos supports, puisque les annonceurs traditionnels ont une rupture de communication l'été et ça permet d'avoir une visibilité également en période estivale. Un partenariat privé-privé qui génère 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires annuel et 120 emplois en saison. Mais le cœur du business de Trainbus, c'est son activité de concessionnaire-vendeur de petits trains. Ça, c'est un train qui part pour la ville de Nantes et qui va être livré dans quelques jours. Prix catalogue de 120 000 euros, un développement porté par 20 ans d'expérience sur les routes d'Argelès. Ça nous permet effectivement de commercialiser des produits et des services qui sont mis en test en grandeur nature dans une situation comme Argelès-sur-Mer. La PME familiale a déjà conquis plusieurs marchés à l'export et n'a pas fini son expansion.